Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Alors autant vous dire qu'elle est toujours présente. Mais de quoi tu parles? Bah je vous parle de mon tyran, vous savez, celui qui m'empêche de rester zen pendant que je procrastine. Coucou, on m'appelle Culpabilisator. C'est comme un poids que je traîne et qui m'accompagne au quotidien. Mais non, c'est pas toi le chien. Tu vois, le jour où j'aurai sorti mon épisode 100, apéro. Parce que ce jour-là, ça veut dire que je serai complètement délesté. Si t'as envie de te délester davantage, tu devrais même faire un petit régime. Oh ça va, ça fait juste un petit moment que j'ai arrêté le sport et en plus j'ai arrêté de fumer. Hé, je dis ça pour pas alimenter ton anxiété liée à ta dysmorphophobie. Non, c'est bon, j'ai pas le temps de discuter avec toi, j'ai déjà assez de problèmes avec l'autre. Coucou, je suis le boulot en retard. Ah, oh, fais-moi le malin. Bah c'est pas ça qui a avancé la situation. D'ailleurs, c'est évident qu'une fois que je me serai libéré de cette histoire d'épisode 100... Coucou, je suis le roi du monde. Il y aura bien une autre rumination qui va s'installer dans ma tête. Parce que je pense que c'est le béaba du TSA. Parfois, j'aimerais bien ne plus penser à rien. Tu vois, ne plus avoir de projets, d'échéances, d'objectifs, d'être posé chez moi, et qu'à l'intérieur, ce soit complètement vide. En fait, tu voudrais devenir un caillou. Non, pas forcément un caillou. Mais j'ai toujours cette sensation de courir après le temps. Reviens ici! Et qu'en fait, ça s'arrête jamais. En fait, mon idéal de vie, ce serait un truc immuable. Imaginez un monde où tout serait prévisible. Un monde où chaque chose serait à sa place. Imaginez un monde où l'homme vivrait en harmonie avec la nature, le progrès. Imaginez un monde Ron Poulenc. La vache, c'est une réminiscence de vieille pub des années 80 de quand j'étais gamin. En fait, j'ai le sentiment d'être dans une salle d'attente existentielle. Inlassablement, j'attends le moment où tout dans ma vie sera rangé et autour de moi, il y aura une espèce d'homéostasie. Plus de dérangements, plus de mauvaises surprises. C'est seulement une fois que les choses ne bougeront plus que moi, je pourrai commencer à respirer et à me décider d'avancer. Mais t'es complètement incohérent, toi. Quand ce sera statique, tu te mettras en mouvement. Bah, c'est peut-être pas cohérent, mais c'est mon sentiment le plus profond. Mais je sais pertinemment que j'atteindrai jamais cet objectif. Parce qu'on est pile dans ma problématique, dans mon fonctionnement de merde. Une espèce de fonctionnement où j'ai toujours besoin de ruminer, d'avoir besoin en permanence d'un objet pour occuper mon esprit et mes pensées, des sujets d'obsession qui s'inscrivent soit dans les tracas liés à l'anxiété, soit dans les petits plaisirs que me procurent mes intérêts. Mais dans les deux cas, c'est hyper envahissant. Tu vois, dernièrement, j'ai refait une petite escale à bord du Titanic. Bah, de fil en aiguille, j'ai dérivé complètement sur l'Atlantide. Vous savez, cette cité antique qui a été engloutie, dont parle Platon dans ses écrits. C'est vrai que j'ai toujours eu un fort intérêt pour les anciennes civilisations. Les Sumériens avec leur écriture bizarre, toute la mythologie et les légendes qui entourent le sphinx de Gizeh. Mais en fait, je m'étais jamais intéressé à l'Atlantide. C'est hyper intéressant! Enfin voilà, ma vie se structure dans une espèce de binarité obsessionnelle. D'un côté, des sujets qui viennent susciter mon intérêt et je pense plus qu'à ça. De l'autre, certaines considérations qui me rajoutent des points d'anxiété. Comme moi, le boulot en retard, je te grignote. D'un côté, je nourris le fantasme de figer le monde dans un point fixe. De l'autre, je me retrouve complètement happé. Et là, en l'occurrence, c'est l'épisode 100. Et quand ce sera plus ça, ce sera autre chose. Et à l'idée de figer le monde, je rajouterai bien le concept d'une perpétuelle répétition. Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Ouais, on va quand même pas répéter l'épisode. Et le souci des intérêts ou des inquiétudes obsédantes, c'est que moi j'ai envie de les partager auprès de mon entourage. Et très souvent, l'entourage y répond pas présent. Je pense que ça doit être chiant. Ça, Fabrice, c'est parce que t'es prévisible. Du coup, je suis bien obligé d'accepter que ce que je raconte n'intéresse pas tout le monde. Tu vois, Platon disait que l'entrée de l'Atlantide se situait au niveau des colonnes d'Hercule, qui équivaut à l'actuel détroit de Gibraltar. Ok, on se remet au boulot? Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Par contre, j'ai oublié le rituel. On n'est pas loin des 4000, hein? Oh, mais t'es toujours pas prêt de faire l'épisode 100. Oh, c'est bon, ça va. Coucou, je confirme. C'est bon, ça va, toi aussi. Bon, je rentre chez moi avec mon poids.